C'est parti. Donc, je vais vous parler d'Illico, Internet libre en Corrèze. Et on va essayer de retracer ensemble l'histoire d'Illico qui a été créée en 2010, voir un peu comment on a monté un fournisseur d'accès Internet associatif, comme celui qui existait à Toulouse qui s'appelle tetanetral.net, qu'on a monté à la même époque. Et voilà, l'idée c'est de raconter un peu tout ça, de pas forcément rentrer dans les enjeux politiques, dans les valeurs qu'on défend, on pourra en parler après, mais juste de raconter simplement, que vous fassiez une idée de, au-delà du discours qu'on a l'habitude de voir dans des conférences consacrées au FAI associatif, qui est très « allez-y, faites-le, c'est facile », etc. Là, le but c'est vraiment de vous montrer ce qu'on a fait et que, du coup, c'est pas juste « allez-y, faites-le, c'est facile », c'est « je vous montre vraiment ce qu'on fait, comment on le fait et voilà ». Donc, qui je suis mon pseudo sur Internet, c'est Tazidn. Donc, ça fait maintenant quelques années, 10 ans, que je suis militant en logiciel libre et Internet libre. Je suis venu à tout ça par le logiciel libre. En cassant, en bidouillant, en essayant de comprendre comment les choses marchent via le logiciel libre, ça m'a amené à essayer de comprendre, au-delà de mon ordinateur, comment le réseau fonctionne et comment Internet fonctionne, et aussi de m'engager sur la défense d'Internet et pas juste avec des actions militantes comme celle de la Quadrature, mais aussi en construisant un bout d'Internet. Donc j'ai monté Illico avec 2 autres personnes, Thomas et Christine, à qui je fais coucou, en 2010. Donc Illico c'est quoi ? C'est une asso, donc comme je l'ai dit, fondée en juillet 2010, qui a été déclarée à l'ARCEP. L'ARCEP c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, c'est en gros le gendarme, une sorte de gendarme de l'internet en France, même si c'est pas un gendarme avec la matraque. Il sanctionne pas beaucoup. Son but, c'est vraiment d'organiser le marché des télécoms, pour faire très simple. Et donc, quand on monte un opérateur, donc quand on veut fournir de l'accès Internet et du réseau, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé de se déclarer auprès de l'ARCEP. Comme ça, on est bien identifié auprès des pouvoirs publics. Ça sert notamment pour aller influencer, pour pouvoir dire « nous sommes opérateurs, au même titre qu'Orange, SFR ou Free », et à ce titre-là, on a notre mot à dire sur la politique qui est mise en œuvre pour l'aménagement numérique du territoire, par exemple. Donc avant tout, on est un groupe de gens qui aiment Internet, et on s'est dit qu'on allait en fabriquer un bout, avec Thomas et Christine. Pourquoi cette conf d'une part pour documenter un peu tout ça, parce que mine de rien, ça fait 7 ans que l'association existe, les personnes qui sont dans l'asso aujourd'hui n'étaient pas là au départ, et qu'il y a une utilité, je pense, à raconter notre parcours, à en faire état, que ça reste, et puis ça peut vous donner envie, vous expliquer comment on fait, que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse ensemble démystifier un peu ce que c'est qu'un fournisseur d'accès à Internet. Voilà pourquoi cette conf. Donc, au moment où on a décidé de monter l'asso, il y a un contexte bien particulier autour d'Internet. Il y avait eu la conférence Internet libre au Minitel 2.0 par Benjamin Bayard en 2007, qu'il a fait de multiples reprises, mais celle qu'on a surtout vue, c'est celle de 2007 au Rencontre mondiale du logiciel libre à Amiens, où il avait fait cette conférence justement dans des rencontres mondiales consacrées au logiciel libre, dans l'idée de sensibiliser les personnes qui s'impliquent dans le logiciel libre sur le fait que, au-delà du logiciel, il y a des questions importantes sur le réseau, sur Internet, que logiciel et Internet libre sont 2 facettes d'une même pièce, que sans Internet, pas de logiciel libre, sans logiciel libre, pas d'Internet. Ce discours-là, cette conférence-là, elle nous a beaucoup marqué, elle a marqué plein de gens à l'époque, en 2008-2009, à l'époque, j'étais engagé contre Adopi avec d'autres personnes. J'étais dans les tribunes de l'Assemblée nationale pendant les débats pour aller m'énerver, m'agacer, parce qu'on peut pas bouger dans les tribunes de l'Assemblée. En plus, on peut rien dire. Donc, j'étais en train de m'agacer sur les arguments des députés. Ça a nourri une frustration qui a fait qu'on a envie de faire des choses. On a envie de
de faire que les députés arrêtent de dire des bêtises sur Internet, arrêtent de légiférer des bêtises sur Internet. Et à cette époque-là, notamment FDN, qui était présidé par Benjamin Bayard, était en ligne de front contre Adopi, a acquis une certaine notoriété, a grossi, et c'est à ce moment-là que moi, j'ai, à peu près à ce moment-là que j'ai connu FDN et que j'ai commencé aussi à m'investir dans FDN, qui est un fournisseur d'accès Internet associatif le plus vieux encore en activité en France. Le contexte également, c'était vraiment la réalisation qu'il y avait une centralisation des réseaux et des usages qui se faisait, avec un nombre d'opérateurs, de fournisseurs d'accès Internet qui diminuait, avec de plus en plus de concentration, des fournisseurs d'accès qui en rachètent d'autres, il y avait de moins en moins de choix. Dans les années 90, il y avait des petits opérateurs locaux, des petites sociétés qui pouvaient fournir de l'accès sur une région, sur un département, et ça a disparu parce que les boîtes ont été rachetées par des plus grosses. Et au niveau des usages, et aussi en termes de centralisation de réseau, il y a aussi toute la centralisation à Paris, où Paris a une place centrale dans tout ce qui se fait en France, au niveau administratif, etc., mais également au niveau du réseau, où quand on, à l'époque, tout passe par Paris, quoi. Tous les échanges avec Internet finissent à un moment ou à un autre pratiquement tous par passer par Paris. Et au niveau des usages, c'était l'émergence de Facebook, Google, vraiment un moment où on voyait se dégager cette tendance très très forte à la centralisation des usages et des plateformes où vraiment ça s'est manifesté. Et puis il existait déjà des hébergeurs associatifs de longue date. Tout à l'heure, il y avait une conférence de Infini, il y avait Le Rien, qui était un réseau d'hébergeurs, L'Autre.net, Globenet, enfin, tout un tas d'hébergeurs associatifs, mais au niveau du fournisseur d'accès Internet, hormis quelques réseaux ruraux de petite taille, à l'échelle de la France, il restait plus que FDN, French Data Network, donc qui avait été créé en 92, qui existe toujours et qui est le plus vieux fournisseur d'accès Internet encore en activité. À ce moment-là, avec comme je le disais, l'aura, la visibilité qu'a acquis FDN au moment d'Adopi, il y a eu cette opportunité de saisie, d'essaimer et d'encourager à copier FDN. C'était un discours qu'il y avait déjà dans FDN depuis de nombreuses années, mais là, ayant une tribune et l'opportunité de répandre le message un peu plus largement, il y a eu cette idée d'aller notamment à Passage en Seine en 2010, où il y a une conférence encore de Benjamin Bayard, qui s'appelle ISP How-To, je crois, où il explique vraiment comment monter un fournisseur d'accès Internet, et vraiment, je vous invite à aller regarder cette conférence. De même que la conférence Internet Libre Mittal 2.0, elles sont sur media.fdn.fr. Il y a une somme de vidéos sur nos activités de fournisseurs d'accès associatifs qui sont vraiment intéressantes et je vous encourage à y aller. Et donc voilà, comme je disais, le discours FDN l'avait déjà avant, notamment au RLMLL de 2006, Benjamin a expliqué comment monter son fournisseur d'accès Internet. Mais vraiment, en 2010, il y a eu le début de l'essaimage et l'idée de « allez-y, faites-le, montez des fournisseurs d'accès Internet, arrêtez de rejoindre FDN, montez des FDN locaux, montez des FDN thématiques, montez des assos pour fournir du réseau, pour vous fournir votre réseau. » Il y avait la question de neutralité du net aussi qui émergeait à cette époque-là, de se dire « on en a marre de pas savoir ce que font les gros fournisseurs d'accès Internet sur les réseaux, est-ce qu'ils sont en train d'inspecter notre trafic pour nous injecter de la pub ou est-ce qu'ils empêchent l'accès à certains sites. Donc il y avait vraiment cette idée de maîtriser le réseau, de savoir comment il est fabriqué et de garantir qu'il est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification qui est faite entre notre ordinateur et les sites qu'on consulte, en tout cas pas au niveau du fournisseur d'accès à Internet. Donc le discours qu'on entendait, que tenait Benjamin, c'était « allez-y, c'est pas si difficile et en plus on va vous aider ». FDN disait « on va vous filer les configurations, au début on va vous dégager de la technique même,
C'est-à-dire que FDN se charge de la technique et vous faites juste de la revente d'accès Internet en marque blanche. Ce qui fait que toute la technique repose sur FDN. Ce qui reste uniquement à l'association, c'était le support, enfin la relation avec l'utilisateur, créer l'association, le côté humain et administratif, ce qui est moins humain, beaucoup plus machinal. Et donc voilà, il y avait cette idée, allez-y, faites-le, on va vous aider. Même si vous n'avez rien, vous montez l'asso, vous allez pouvoir commencer avec zéro argent sur le compte en banque de l'asso et ça va bien se passer. Et donc on s'est dit, avec Thomas et Christine, bah, si on le faisait, quoi, allons-y, c'est pourquoi pas. Quoi. On n'y connaissait rien en réseau, mais vraiment rien. C'est-à-dire que Thomas est professeur de mécanique automobile en lycée professionnel. Moi, j'apprenais l'informatique par moi-même en bidouillant, j'ai une formation de physicien. Voilà, on était vraiment à un degré zéro de connaissance. Mais on s'est dit, bah, allez, on va apprendre sur le tas, on va se faire la main, on va casser, on va faire des erreurs, on va apprendre de nos erreurs. Il y a des gens qui sont bienveillants, qui vont nous aider, qui vont nous filer des coups de main, ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Et donc on s'est lancé, on a créé l'asso en juillet 2010. Au même moment, en juillet 2010, il y avait les rencontres mondiales du logiciel libre à Bordeaux. J'espère que je ne me trompe pas dans les dates, mais il me semble bien que c'est ça. On s'est retrouvé, je crois, une trentaine, quarantaine de gens en marge des rencontres mondiales, sous un arbre, sur le campus où se tenaient les rencontres. Justement, avec FDN, avec tout plein de gens, et qui étaient intéressés par l'idée de monter, par cette idée d'essaimage. Et autour de cet arbre-là, il y avait plein de gens qui, après, dans les semaines et mois qui ont suivi, ont monté leur propre fournisseur d'accès Internet associatif, ce qui a donné un an plus tard une fédération de fournisseurs d'accès associatif, où il y avait 7 associations qui ont monté cette fédération. C'est-à-dire que d'une asso en 2010 et d'un discours de d'essaimage et allez-y, faites-le, on est passé à 7 associations au bout d'un an, avec... du coup, des premiers accès ouverts par FDN, justement, c'est ce que j'expliquais. Voilà. Donc le qui, je l'ai déjà dit, donc des passionnés du logiciel libre. On s'est rencontrés, Thomas et Christine, via le groupe d'utilisateurs de logiciel libre en Corrèze qui s'appelle Pulco. Voilà, on se disait, on fabrique nos logiciels, on aime le fait qu'on puisse fabriquer nos logiciels et les bidouiller, et les modifier. Pourquoi pas faire la même chose avec nos accès Internet ? C'est essentiel pour la vie numérique, Internet, il n'y a pas de raison que ce bout technologique-là ne soit pas sous notre contrôle et ne puisse pas qu'on ne puisse pas le faire nous-mêmes. Du coup, au départ, on a été aidé par Pulco, donc on a eu le site web et les mails qui étaient chez Pulco. On a été aidé par FDN, donc nos premiers accès Internet, le premier, là, on le voit, peut-être c'est tout. Ouais, c'est flou et ça se voit pas très bien, mais c'est en septembre 2010. Donc on crée l'asso en juillet. En septembre, on ouvre notre premier accès. Ça, c'est une copie d'écran de l'interface d'FDN, là où on commande nos lignes Internet, etc. Donc là, c'est la première ligne qu'on a créée, qui était une ligne pour une association à qui on a présenté notre discours, nos valeurs, notre engagement politique et qui s'est dit... bah écoutez, c'est cool, quoi. Enfin, nous, pour l'asso, bah, du coup, on va passer par vous pour le local qu'on va ouvrir, on va pas passer par un gros fournisseur d'accès Internet. Donc, assez rapidement, on a été vite identifié comme une sorte d'AMAP de l'Internet. Et donc, les gens qui, localement, cherchaient des solutions éthiques, des alternatives, pour tout un tas de choses, l'énergie, pour l'accès à Internet, nous ont identifié comme étant une alternative intéressante et notre première ligne ouverte était pour une asso. C'était pas du tout pour un particulier et même pas pour nous au final. Donc c'était un accès FDN. C'est-à-dire que FDN a concrétisé son discours « Allez-y, on va vous aider » et nos premiers accès étaient des accès via FDN où en fait on faisait que de la revente. L'abonné nous versait un abonnement et nous on reversait l'abonnement
FDN en faisant une petite marge pour justement commencer à constituer un petit trésor de guerre pour recommencer à prendre notre indépendance et à pouvoir envisager d'acheter du matériel et toutes ces choses-là. Et un an plus tard, un truc marrant, c'est que les premiers bénévoles actifs dans l'association étaient quasiment tous dans un petit village qui s'appelle Chantex, en Corrèze, à tel point qu'on pensait renommer l'association en ILICH, pour Internet Libre à Chantex. Et la première chose qu'on a fait, c'est partager un accès ADSL, le deuxième accès qu'on avait ouvert, qui était pour un des bénévoles actifs. On a partagé son accès avec les loges d'un festival de musique qui se tenait à côté. Je crois qu'il y avait les Ogres de Barbac et d'autres groupes sympas comme ça qui jouaient et qui, dans ce petit village perdu, n'avaient pas, dans les loges qui étaient montées pour l'occasion, il n'y avait pas d'accès Internet, quoi. Donc, avant, ils se débrouillaient, je sais pas trop comment, mais c'est une grosse frustration pour les artistes. Ils sont là, ils sont de passage, ils sont en Corrèze, ils sont en tournée pendant l'été, et ils peuvent pas vérifier leur mail, ils peuvent pas aller sur Facebook, ils peuvent pas faire que sais-je qu'ils ont envie de faire avec leur accès Internet. Et du coup, on nous a demandé de fournir un accès Internet pour eux. Ce qu'on a fait, on a fourni un accès pour les loges avec deux antennes Wi-Fi. Qui se regardaient. Quelques mois plus tard, un an plus tard, justement, en prévision du festival qui allait revenir comme chaque année, on s'est dit on va couvrir tout le village. En fait, on va mettre une antenne omnidirectionnelle, donc une antenne Wi-Fi qui émet à 360 degrés et qui va permettre de couvrir tout le village et de fournir de l'accès Internet. À quiconque dans le village a envie et mettra juste une antenne sur son toit ou sur son balcon. Et donc du coup, ce qu'on voit, c'est la maison Poumier, donc il y a une maison qui sert justement aux artistes pendant le temps du festival, qui appartient à la mairie, et la mairie nous a autorisé à mettre une antenne. Donc on a pris une nacelle et on est monté sur le toit pour poser l'antenne. On a ouvert un accès internet dédié dans cette maison-là, encore via FDN. Et à partir de là, on a pu créer notre propre réseau sur le village, avec 3, 4, 5, 6 personnes qui ont, pour plein de raisons, parce qu'elles n'avaient pas beaucoup de ressources financières, parce qu'elles étaient sensibles à l'aspect éthique qu'on défendait, pour tout un tas de raisons, étaient intéressées par avoir un accès Internet via notre réseau Wi-Fi, plutôt que d'avoir un accès via les fournisseurs d'accès Internet classiques. Parce qu'un truc important, c'est quand je parle d'intérêt financier, c'est que nos accès Internet en Wi-Fi, du coup, c'est un accès ADSL qui est mutualisé. Donc ça veut dire que le coût, c'est pas 30 euros par mois, c'est moins 15, 20 euros. Et surtout, quand on a un problème de sous, il y a des mois où on est dans le rouge, on peut pas payer on peut pas tout payer, quoi. On n'est pas face à une hotline butée ou à un service de gros fournisseurs qui va nous couper Internet sans discuter. Il suffit d'aller voir un autre bénévole de l'association, un autre membre, et lui dire, enfin du coup le membre trésorier, et lui dire, écoute, ce mois-ci c'est compliqué, est-ce qu'on peut décaler, est-ce que je peux te payer que le mois prochain, on peut s'arranger, quoi. Et ça, c'est un aspect important de ce qu'on fait, ça fait aussi partie de la démarche du lien humain et de voilà. Nous, l'important pour nous, c'est pas de faire rentrer de l'argent dans l'asso. On n'a aucune espèce de. On est une asso qui a but non lucratif. L'intérêt pour nous, c'est de fournir un accès Internet à des gens qui soient le plus neutre, le plus fonctionnel possible. Et donc, du coup, qu'ils nous payent ou qu'ils nous payent pas, rien à faire, quoi. Et puis surtout, donc on a vu l'après-midi où on a installé l'antenne. Et puis après, l'intérêt. Je ne sais pas si vous avez déjà pique-niqué avec ou pris l'apéro avec votre fournisseur d'accès Internet. Non, je crois que personne dans la salle. Mais voilà. Du coup, nous, on a pris l'apéro après avoir déployé du réseau. Et c'était pas mal. Et la soirée s'est terminée par un petit set de DJ avec le sound system qui va bien. Donc voilà, on est en 2012. À l'époque, on avait une quinzaine de membres, à peu près 6 accès Wi-Fi, ADSL confondus.
On a pris notre indépendance vis-à-vis de Pulco, qui nous avait aidé au départ. On était encore dépendant d'FDN. On s'est reposé ensuite sur une autre structure qui nous a aidé, qui s'appelle Octopus, qui est une boîte d'hébergement parisienne, et qui nous a proposé, parce qu'on connaissait quelqu'un qui bossait, de nous héberger gratuitement le site web, les mails, tous les services qu'on pouvait, dont on pouvait avoir besoin. Et on passait toujours par FDN pour l'accès à Internet. Et à peu près à ce moment-là, en 2012, il y a eu un événement important sur 2011-2012, c'est la refondation de Jitoyen. Et donc, il faut que je vous parle de Jitoyen. Jitoyen, c'est je vais en parler plus tard, mais c'est un opérateur associatif. À l'époque, il n'était pas une association, c'était un opérateur dont le but était de mutualiser des ressources du réseau entre ses membres. C'est-à-dire faire du réseau, ça peut être compliqué, et il faut être présent dans des data centers, il faut un certain nombre de choses. Et parmi ces membres de Jitoyen, il y avait des hébergeurs et des associations, et des entreprises. Parmi les membres fondateurs, il y avait Gandhi, que vous connaissez peut-être. Et donc, à l'époque, donc il y avait surtout FDN. FDN était membre de Jitoyen, et c'est Jitoyen qui, en fait, fournit à FDN on va dire le tuyau qui relie FDN au reste d'Internet. Donc nous, Illico, petite asso corrézienne, on avait notre accès Internet chez FDN, qui lui-même dépendait de Jitoyen pour accéder au reste d'Internet. Et donc à ce moment-là, il y avait une refondation dans Jitoyen dans laquelle on s'est impliqué. Jitoyen fonctionnait plus très bien, ça devenait complètement bloqué dans son fonctionnement parce que c'est une structure juridique qui s'appelle un GIE, Groupement d'intérêt économique. Et c'est très compliqué. Il y a eu des soucis de blocage administratif. Quand on oublie de déclarer que le siège a changé, mais que du coup il faut qu'on reçoive un courrier pour pouvoir répondre pour changer le siège. Bref, ça a fait qu'il y avait l'idée de repartir de zéro, plus ou moins de zéro, de créer une association, de repartir sur des bonnes bases avec des nouvelles personnes et de refaire les choses. Donc du coup on s'est dit Jitoyen est le fournisseur de notre fournisseur et c'est une démarche qui nous plaît, qui est la même que la nôtre, et on va remonter un petit peu plus haut dans le réseau, comprendre un peu aussi comment ça marche ce côté-là du réseau, et on s'est impliqué dedans et on a obtenu nos propres adresses IP à ce moment-là. Donc comme je vous disais, pour nos accès internet, on passait par FDN. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos adhérents, nos membres qui sont abonnés à internet avaient des IP qui en fait étaient des IP FDN. C'était pas des IP illico. Alors, quand on regardait sur Internet à qui appartiennent ces IP, il y avait à aucun moment une évocation d'illico. C'était des abonnés. Ça paraissait être des abonnés d'FDN. Et donc pour nous, c'était important de maîtriser ce bout-là et que ce soit nos propres IP qui soient distribués à nos membres. Et donc via Jitoyen, on a obtenu nos propres adresses IP. On en a obtenu une quantité phénoménale de 256 IP. Ce que vous imaginez, c'est pour nous, c'était, oh là là, le jour où on aura 256 membres à raccorder, c'est, donc voilà, ça nous paraissait phénoménal. Et à ce moment-là, on s'est mis à distribuer et à connecter nos abonnés à Chantex, donc le petit village que je vous ai montré, avec de l'adresse IP publique. C'est-à-dire qu'on fournissait, vous voyez la différence entre une IP publique, IP privée ou pas? En gros, une IP dite privée, c'est une IP qui n'est pas joignable sur Internet. Votre réseau derrière votre box à la maison, votre box de si vous êtes chez un fournisseur d'accès commercial, Orange, Free, etc., tous les appareils qui vont être connectés à la box en Wi-Fi vont avoir une adresse IP privée. Quand ils vont aller sur le réseau, quand vous allez consulter le site web d'FDN, par exemple, vous allez apparaître avec l'adresse IP qui est attribuée à votre box, qui est une adresse IP publique, qui vous permet d'être visible et d'accéder à d'autres sites publics sur le réseau. Internet, c'est vraiment un réseau public. Et donc pour nous, c'était important que chaque membre de l'association, chaque membre abonné, ait une IP publique pour qu'ils puissent, il et elle puissent fournir leur propre service et en plus ait une IP différente et que tout le monde n'ait pas la même adresse IP. Et c'est ce qu'on a pu faire du coup via les IP fournis par Jitoyen. On a commencé à distribuer ces adresses IP sur le réseau Wi-Fi qu'on avait déployé à Chantex. Donc on avait un accès ADSL qui arrivait dans la maison,
que je vous ai montré tout à l'heure. Un câble qui remonte jusqu'au toit, jusqu'à l'antenne, qui vise à 360, qui émet à 360. Et derrière, des petites antennes chez les gens. Et ensuite, chez les gens, un petit routeur, une petite box, en quelque sorte, qui émet un Wi-Fi local dans leur maison. Et sur chacune de ces petites boxes à la maison, il y avait l'IP publique qu'on avait distribuée à nos membres. C'est clair pour tout le monde ou j'en ai perdu des gens là? C'est bon? Si je vous perds, vous m'interrompez, vous me dites, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Ben voilà un schéma de principe qu'a fait Thomas, qui à l'époque décrivait comment ça fonctionnait. Donc, là, il y a la maison dont je vous parlais, avec l'antenne qui émet à 360, et puis on voit les abonnés qui sont à la maison avec leurs petites antennes, etc. Et de la maison sur laquelle il y a la grande antenne, on repart vers France Télécom, le fournisseur d'FDN et FDN. Je vous fais pas le schéma en détail, c'est pas très intéressant, mais on pourra y revenir si vous avez des questions. Mais en gros, ça montre un peu le cheminement entre nos abonnés et le reste d'Internet. On voit qu'on arrive, je me pousse, ici tout en bas, routeur de Jitoyen, Internet. Donc voilà, Jitoyen, j'en ai un peu parlé, opérateur associatif. Le but de Jitoyen, c'est vraiment de mutualiser, de faire que des structures qui sont trop petites ou qui n'ont pas les forces bénévoles suffisantes pour faire du réseau elles-mêmes puissent mutualiser cet aspect-là, l'aspect vraiment réseau, cœur d'Internet, et aussi favoriser l'émergence de petits réseaux comme les nôtres. Également de petits hébergeurs, de petits fournisseurs d'accès à Internet. On a eu, donc comme je vous ai montré, on a mis une antenne sur ce toit. Et à partir du moment où on a mis cette antenne, on a commencé à avoir des plaintes de 2-3 personnes dans le village qui nous ont dit que le réseau Wi-Fi, nos ondes, les rendaient malades, étaient la cause de leurs soucis. On a eu des choses un peu bizarres, du genre le voisin en face de chez Thomas qui lui envoie un recommandé, alors qu'il habite à 30 mètres, 20 mètres, je sais pas. Donc au lieu de traverser la route et de taper à sa porte et de lui dire « écoute, ton antenne, machin », il lui envoyait un recommandé. Ce qui, voilà, on parle de la convivialité, de la ruralité, mais bon là, on n'a pas trop senti la convivialité. Et donc le recommandé nous mettait en demeure d'enlever notre antenne, de faire cesser notre réseau Wi-Fi, etc. On a traîné des pieds, on a fini par bouger notre antenne. Est-ce que j'en parle? Non, j'en parle pas, mais c'est intéressant. On a fini par bouger l'antenne. Parce que voilà, on n'est pas là pour batailler avec les gens du village. Si ça les gêne, que les raisons soient bonnes. Enfin, on n'est pas médecin, on n'a pas à juger de la réalité de leurs mots. Donc pour nous, il n'y avait pas de jugement de savoir si c'était des illuminés ou des gens qui avaient. Enfin, visiblement, ils avaient une vraie appréhension, un vrai problème, quoi, c'est que ça les gênait vraiment. Donc on a décidé de bouger l'antenne pour la mettre à un endroit où ces gens-là ne la voyaient pas. Bon, on n'a pas arrêté notre réseau. Ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'on a eu bougé l'antenne et qu'elle était plus visible, on nous a remercié de l'avoir enlevée parce que vraiment c'était beaucoup mieux, alors qu'en fait le réseau était toujours là. Donc voilà. Et quand les gens ont découvert que l'antenne était toujours là, bah, ça allait de nouveau pas bien. C'est étrange. Donc voilà, on a eu ce truc-là qui a été un peu agaçant, qui a pompé pas mal d'énergie bénévole dans l'assaut. On a décidé de faire un long article qui explique toute la physique derrière nos antennes, comment elles émettent, à quelle puissance, quelle fréquence. Avec des tableaux comparatifs entre la puissance émise par des téléphones, par des micro-ondes, par des boîtiers de courant porteur en ligne, ce sont les petits boîtiers qui permettent d'avoir de l'internet à la maison en passant par les prises électriques. Voilà, on a fait un comparatif pour dire, d'abord on respecte les règles légales, les limites d'émission légales, et en plus,
Bah, la puissance qu'on émet, elle est vraiment ridicule comparée à vos téléphones. Ou même le pire, c'est les téléphones DECT, le téléphone sans fil de maison, là, les vieux téléphones, enfin, les téléphones fixes qu'on peut, avec lesquels on peut se balader dans la maison. Ces trucs-là, c'est une calamité en termes d'ondes émises. Donc voilà, on a fait un long article qu'on a placardé à plusieurs endroits dans le village, qui est visible si vous cherchez illico longueur d'onde. Et je vous invite à aller le voir. Ce qui a permis un peu de calmer un peu les plaintes et tout ça. Puis voilà, entre 2012 et 2014, il s'est passé ça, il ne s'est pas passé grand-chose d'autre. En 2015, on a décidé de rejoindre une association qui s'appelle Grenode, qui est comme Jitoyen, un opérateur dont le but est de mutualiser du réseau entre ses membres, hébergeurs, fournisseurs d'accès Internet. Grenode, comme son nom l'indique un petit peu, est surtout présent vient de Grenoble, est présent sur Grenoble et Lyon, enfin était présent à Grenoble et Lyon à cette époque-là, était composé de fournisseurs d'accès associatifs qui se sont montés comme nous après l'essaimage de FDN. Et on a décidé de rejoindre Grenode. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette possibilité, via le réseau public local, qui s'appelle le syndicat mixte, qui gère cet aménagement de fibres partout sur le territoire, s'appelle Dorsal. C'est délégué à une boîte qui s'appelle Action, qui est une filiale de Bouygues. Donc il y avait la possibilité, en fait, d'avoir nos propres accès Internet, donc de ne plus passer par FDN, via cette structure-là, et du coup de fournir de l'accès plus localement et nous-mêmes, surtout ne plus dépendre d'FDN. Donc il y avait cette idée-là, il y avait possibilité, pourquoi Grenode ? Parce qu'il y avait possibilité de se faire, comme on dit, livrer le trafic des abonnés, c'est-à-dire qu'il y a un tuyau entre tous nos abonnés et un point de sortie qui se trouve à... Il y avait une possibilité à Lyon, et il se trouve que Grenode était présent à Lyon. Donc on s'est dit, plutôt que de faire ça à Paris, il y avait plusieurs possibilités. On pouvait aller à se faire livrer à Paris, on pouvait le faire localement en Corrèze, mais ça nous coûtait une fortune. Parce que bon, des opérateurs en Corrèze, il n'y en a pas beaucoup. Parce que mine de rien, il faut quand même se raccorder au reste d'Internet, aux autres réseaux. Et en Corrèze, il n'y en a pas des masses. Donc on s'est dit, on va faire un compromis, on va aller dans la direction où on délocalise, on n'est plus dépendant d'FDN, on n'est plus dépendant de Paris, on va aller mettre de l'énergie dans une asso qui est du côté de Lyon et Grenoble, qui est dans une optique de mutualisation, et ça va nous permettre peut-être de fournir de l'accès localement nous-mêmes, etc. En 2015, premier truc qu'on a fait, parce que ça nécessitait pas de... C'était facile, quoi. On a monté un serveur VPN et c'était notre première brique dans Grenode. D'ailleurs, pour vous dire à quelle vitesse on avance, c'est en test depuis octobre 2015, il n'y a toujours pas d'accès officiellement ouvert sur le VPN d'Illico, parce qu'on a des petits soucis techniques et juste il n'y a personne pour mettre de l'énergie là-dessus. Donc comme je l'ai dit, Dorsal Action, c'est comme un peu partout en France, il y a des réseaux d'initiatives publiques qui sont financés par nos impôts, et donc de la fibre qui est déployée par des régions, départements, des syndicats mixtes qui regroupent régions, départements, communes, donc ce qui est le cas de Dorsal. Et donc il y avait cette possibilité-là de passer à une échelle plus locale. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, chez Grenode, la possibilité de fournir de l'ADSL autrement, sans passer par FDN, à l'échelle de la France, via une boîte qui s'appelle Liazo, qui est montée par des gens qu'on connaît bien. C'est une boîte, mais ça reste des gens qui ont avec qui on partage les mêmes valeurs. Et du coup, cette boîte-là a eu un contrat avec Orange, qui nous permet de fournir de l'accès Internet avec nos adresses IP, etc., partout en France. Et en fait, chaque petit asso fournisseur d'accès Internet aurait pu directement contracter avec l'IASO. Mais voilà, on était trop petits, ça coûte trop cher. Encore une fois, l'intérêt de mutualiser et de faire ça dans Grenode, dont le but est vraiment de mutualiser ce qui est un peu trop gros pour nous,
et de faire en sorte que qu'on mette de l'énergie en commun, tout simplement. Et donc du coup, début 2016, on dépendait encore d'FDN. En juin 2016, on a donc l'île Grenode qui s'est mis à proposer à ses membres d'avoir des accès Internet via l'IASO. Et du coup, on a commencé à ouvrir des accès à partir de ce moment-là, à partir de juillet. Et en décembre, on a fermé la dernière ligne qui dépendait d'FDN, sur laquelle on était toujours avec des IP FDN. C'était juste de la revente de la marque blanche. Alors que là, avec cette nouvelle collecte dans Grenode, ça nous permettait vraiment, nous, d'être fournisseurs d'accès à Internet à part entière. C'est-à-dire que ce sont nos adresses IP qui sont distribuées à nos membres. Et de bout en bout, c'est nous l'interlocuteur du membre. Voilà, ça c'est le nier pour la collecte. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et donc si je vous réexplique sur le schéma, jusque-là on passait par Orange, le fournisseur d'FDN, FDN, Jitoyen, Internet. Et ça s'est transformé en fait en Orange, l'IASO, Grenode, Illico, Internet. Et du coup, enfin, il y avait un Illico là-dedans, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Illico faisait uniquement vraiment la partie déploiement du réseau Wi-Fi, mettre des antennes, ou ouvrir juste des accès chez les gens. Donc voilà, les changements aussi avec ce truc-là, c'est qu'on a pu fournir du VDSL. Donc du VDSL, ça permet d'atteindre des débits jusqu'à 100 mégabits par seconde quand on est proche du central téléphonique. Ça permet vraiment d'avoir des débits plus élevés que l'ADSL classique. Avec ou sans abonnement au téléphonie fixe, ça c'est aussi, c'était beaucoup de gens nous demandaient de plus avoir à garder leur abonnement téléphonie fixe, qui était obligatoire chez FDN. Là, du coup, on n'était plus obligé d'avoir un abonnement téléphonique, on pouvait le résilier. Donc, comme je le disais, nos IP étaient annoncés sur Internet, plus de marque blanche FDN, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis de nous émanciper. C'est-à-dire que en 2010, quand on s'est créé, on dépendait d'FDN pour tout, pour toute la technique. Là, via une structure de mutualisation, via Grenode, on a pu devenir indépendant, s'émanciper, apprendre et faire nous-mêmes. Et donc pour moi, c'est la meilleure concrétisation du discours qui était tenu en 2010, qui était « Allez-y, on va vous aider et vous allez prendre, vous allez pouvoir décoller voler de vos propres ailes à un moment à un autre ». Nous, ça nous a pris du temps, ça nous a pris 7 ans, mais on a réussi à le faire. Et donc voilà, aujourd'hui, on compte une soixantaine de membres dans Illico. Tout le monde n'est pas raccordé à Internet. Par contre, pour être raccordé à Internet, il faut obligatoirement être membre. Ce qu'on tient à ce que les gens puissent avoir leur mot à dire sur le tarif, sur tout ce qu'on fait. Donc on a 4 personnes raccordées toujours sur le vieux réseau Wi-Fi du village. On a 13 lignes ouvertes en ADSL. Donc les gens à la maison ont un petit boîtier, un petit routeur, un petit modem routeur qui est fourni par l'association et qui leur permet de disposer de ADSL ou de VDSL, du coup avec des débits à 100 mégabits par seconde. Je crois que la plupart de nos lignes, elles sont sur le plateau de Mille Vaches. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le plateau de Mille Vaches ici. Il est vraiment paumé, c'est le fin fond du Limousin entre la Corrèze, la Creuse et la Haudienne. Et il se trouve que maintenant, il y a du VDSL dans un des villages à Tarnac, et la plupart de nos lignes sont là-bas, pour le VDSL. Donc les gens au milieu de la Pampa ont 100 mégabits par seconde. Ce qui est un peu une révolution pour eux, petite. Et dont 7 sans abonnement téléphonie fixe, parce que voilà, qui aujourd'hui utilise encore le téléphone fixe? Plus beaucoup de gens. Au niveau de l'infra, on a 6 serveurs ou routeurs, dont 3 chez Grenode, une centaine de boîtes mail, de listes de discussion et de diffusion, parce qu'on tient à aussi sortir les gens des GAFAM, et pas juste des gros fournisseurs d'accès à Internet, aussi les sortir de leur proposer des services qui leur permettent de plus passer par Google, Facebook, de plus dépendre de Dropbox, de ce genre de choses. Donc on fournit un Nextcloud qui permet de partager des fichiers,
Il y a plein d'assos qui passent par nous pour leur liste de discussion, de diffusion, pour leur boîte mail. Un truc assez chouette, c'est les réseaux d'aide aux migrants, la mobilisation sur les contrats aidés, ce genre de choses qui passent par, qui viennent nous voir, quoi, qui spontanément se disent on a besoin de boîte mail éthique, on va voir Illico. Et puis on a un service qui est public, qui s'appelle pad.illico.org, qui permet de faire l'édition collaborative de textes en ligne, où aujourd'hui il y a plusieurs milliers de pads qui sont ouverts. Donc Jitoyen et Grenote, j'ai passé très vite dessus, mais pour moi, ça, au départ, je voulais en parler beaucoup plus, et en fait, je me suis dit que ça allait être compliqué. Ça mériterait vraiment de faire deux autres conférences pour en parler, parce que c'est vraiment intéressant la manière dont ça fonctionne, déjà. Quand je dis ça, c'est parce que il y a finalement peu d'énergie, même si on mutualise des énergies, il en reste quand même très peu dans l'effort de mutualisation en soi. Et on a trouvé les moyens d'en tirer le meilleur parti, à mon avis, avec des réunions qui sont mensuelles ou trimestrielles suivant l'asso, qui sont en physique ou à distance, mais qui à chaque fois sont utiles. On arrive à battre du travail, il y a une bonne ambiance. On construit des belles choses, on apprend, c'est vraiment chouette et il n'y a pas de chef, il n'y a personne qui dit oui, il faut faire ça. Donc ça mériterait vraiment deux autres conférences pour en parler, tellement c'est chouette. Moi, je suis très 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 content de participer à Jitoyens et Grenode. À chaque fois, c'est vraiment des bons moments, quoi. Donc voilà, tout ce dont je viens de vous parler, c'est de l'internet associatif. J'aime beaucoup la formule de Félix Tréguer de la Quadrature qui nous appelle des bâtisseurs d'internet libre. Un truc intéressant, c'est que pour monter une infrastructure libre, pérenne, il faut pas juste des fournisseurs d'accès internet, il faut aussi des maillons intermédiaires, il faut aussi des structures dont le but est de mutualiser des forces. Il faut pas juste les petits fournisseurs d'accès locaux, isolés, qui se débrouillent comme ils peuvent avec les grosses boîtes locales. Il faut aussi des maillons intermédiaires où on se met en commun, on fait ensemble, on monte des structures intermédiaires qui nous permettent d'être plus forts, tout simplement, et de faire que ça soit plus pérenne, plus efficace, plus facile. C'est beaucoup plus agréable. Il y a des moments où, par exemple, il y a une personne active dans Helico. Il y a vraiment une personne qui a du temps et quand on est tout seul, bah, soit on fait tout seul et à ce moment-là, les autres sont largués et c'est pas bon du tout en termes de dynamique collective. Soit on essaye de faire avec du coup plusieurs assos, on mutualise et là, du coup, bah, c'est plus chouette parce qu'il y a plus de chances que dans les autres assos, il y a des gens aussi dispo à ce moment-là. Et on construit à cet échelon-là plutôt que juste à l'échelon du fournisseur d'accès Internet. Donc voilà, en 7 ans, on a eu un petit rythme d'escargot. Illico, c'est tout petit, 60 membres, une centaine de boîtes mail, c'est rien du tout. Mais par contre, on construit pour durer. On construit un réseau d'humains sur un réseau de machines. On apprend énormément. Et alors, quand je parle d'apprendre énormément, c'est pas uniquement, et vraiment pas du tout uniquement de l'apprentissage technique. C'est que moi, j'ai appris énormément en termes d'organisation de gens. De comment fonctionner collectivement, comment dire, des problèmes qu'il peut y avoir dans un groupe de personnes avec des problèmes d'ego, des problèmes de gens qui prennent le dessus parce qu'ils sont naturellement plus affirmés, plus. Et en fait, on a mis en place dans nos assos, enfin dans les assos que j'ai cités, des mécanismes pour s'assurer que bah, tout le monde est bien écouté, chaque association est bien représentée et qu'il n'y a pas. Enfin voilà. En tout cas, j'ai appris énormément en termes aussi d'organisation collective. Donc en 7 ans, on a pris l'indépendance vis-à-vis d'FDN, on a coupé le cordon, ce qui pour moi est le succès de l'essaimage lancé en 2010. On a lancé des projets qui n'ont pas du tout marché. On avait mis des étudiants à bosser sur des étudiants de l'IUT à Brive à bosser sur une box illico, qui serait une box pour remplacer la box dans FAI avec des services installés sur la box, etc. Bon, ça n'a pas du tout marché. Enfin, les étudiants ont fait leur stage dessus et puis
ça n'a pas abouti. Et puis après, il y a des prochaines étapes, déployer du Wi-Fi, comme je disais, sur le plateau de Mille Vaches. Notamment, il y a des exilés, des migrants qui sont présents sur place, qui sont logés dans des maisons qui ne sont pas raccordées à Internet. C'est aussi, dans les prochaines étapes, aller leur amener de l'accès à Internet. Localiser l'infrastructure. Là, on est présent à Lyon, Grenoble, mais ça serait cool qu'on soit vraiment en Corrèze et que du coup, on puisse faire du réseau vraiment en Corrèze. Et aussi, dans les prochaines étapes, du coup, c'est la fibre qui commence à se déployer un peu partout en Corrèze. C'est est-ce qu'on va pouvoir, nous, fournir de l'accès Internet sur la fibre? Le cuivre va disparaître un jour ou l'autre. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à fournir de l'accès Internet ou pas? S'il n'y a plus de cuivre, on ne pourra plus fournir de l'accès Internet uniquement par Wi-Fi, et ça serait dommage. Donc on aimerait aussi pouvoir continuer à opérer sur la fibre, si c'est possible, dans le futur. Voilà, ça c'est la minute remerciement, comme aux Oscars. Donc rien de tout ça n'aurait été possible sans mes parents, sans FDN. FFDN, c'est la Fédération des fournisseurs d'accès associatifs, donc Gitoyens, Grenote dont je vous ai parlé, Rhizome, qui a documenté, donc c'est un FAI associatif du côté de Compiègne, qui a été monté par des étudiants, aussi en 2010 ou 2011 je crois, et où ces personnes-là ont documenté entièrement la manière dont elles ont monté le réseau Wi-Fi sur Compiègne. Donc tout est sur un wiki public. Et en fait, nous, bêtement, quand on a monté le réseau à Chantex, on a pris la doc, on a suivi étape par étape, et on a appliqué bêtement ce qu'il y avait écrit sur le wiki. C'est comme une recette de cuisine, vous voulez monter un fournisseur d'accès Internet, ben vous suivez la recette. Donc un grand merci à Rhizome, et puis un merci à tetaneutral.net aussi, qui nous a aidés, et qui est le illico local toulousain. Donc voilà, merci à toutes ces personnes-là, à toutes ces assos, tous ces gens. Et puis, un dernier mot pour vous inviter à soutenir la campagne de dons, soutenir la Quadrature du Net qui vient de lancer sa campagne. Il y a un super générateur de slogans qui permet de faire des trucs débiles comme ça. Donc voilà, je suis disponible si vous avez des questions. Oui. Non, on fait pas de téléphonie. Ouais, la question c'était est-ce qu'on fournit de la VoIP, c'est-à-dire de l'accès téléphonique par Internet ou... Et en fait, non, pas du tout. On fournit que de l'accès Internet. C'est aussi quelque chose qui plaît aux gens, c'est-à-dire que quand ils doivent choisir un accès Internet chez un gros fournisseur d'accès Internet commercial, eh bien on leur refourgue de la télé, du téléphone dont ils ont généralement pas besoin. En tout cas, il y a des gens qui nous disent qu'ils en veulent pas, ils sont obligés de l'avoir. Et nous, ben on propose juste de l'accès Internet. Voilà. Il y avait une autre question ? Ouais. Ah ouais, elle coûte une fortune, à peu près, je pense, 100-120 euros. Non, voilà. Les antennes qu'on déploie chez les gens, elles sont à, je sais pas, 50-60 euros, quelque chose comme ça. Enfin, c'est dans ces ordres de grandeur-là. Ouvrir un compte en banque, ça coûte pas très cher. Il y a se déclarer, se monter en asso, c'est 45 euros pour la déclaration au journal officiel. Le matos, c'est pas très cher. Donc au final, on peut... C'est sur vos fonds propres où vous aviez réussi à avoir une certaine langue, une certaine masse de gens qui étaient prêts à investir avant ou... Alors pour le réseau de Chantex, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, fait un... Comment dire, les gens dans l'association ont prêté de l'argent, du coup on a mis de l'argent au pot, on a acheté le matos et on a remboursé... Après, dans les mois qui ont suivi, les gens qui avaient avancé de l'argent. Voilà, les gens ont fait des avances. Donc c'est sur nos fonds, pas sur les fonds de l'asso, mais sur les fonds des adhérents de l'association. Une masse de gens intéressés. Ouais, voilà.
qui voulaient être raccordés et qui du coup ont mis la main au portefeuille pour ça. Ouais, une autre question. Ouais, ouais. C'est lequel? C'est comment je vous dis. Donc, les bénévoles, on ne peut pas fournir avec ces mails parce que c'est dangereux. On ne peut pas vous laisser ça sur faire les mails, tout ça. C'est pas de VPN, quoi que ce soit. Donc, comment on fait si vous avez un seul bénévole? Moi, j'avais fait ça, mais c'est juste. Essayez de comment vous motiver un petit peu. Et, c'est... On fait des apéros, quoi. Non, mais ça marche, quoi. Je sais pas, il n'y a pas de. Le mail, c'est compliqué. Bah on fait des sauvegardes, ce genre de choses, mais c'est un métier quoi. C'est, on le fait parce que on sait le faire, et ce qu'on sait pas faire, on refuse de le faire. Ou par exemple l'hébergement de sites web, on vient régulièrement nous demander d'héberger des sites web, et en fait c'est vraiment compliqué d'héberger des sites web, faire ça bien, la sécurité entre cloisonner bien les sites, etc. Donc on le fait vraiment très peu, on le fait au compte-gouttes, quand on connaît bien les gens. Et pour les mails, ça se passe relativement bien. Ouais. Ouais, on installe nos antennes nous-mêmes. On profite de la nacelle Chantex là, qui est dispo pendant le festival. C'est-à-dire qu'ils en servent pour installer les haut-parleurs, les banderoles, etc. Et donc nous, on la prend un quart d'heure pour faire nos bidouilles. Mais pas plus que ça, quoi. Mais c'est une vraie question. Et après, sur le mail, nous, on a appris en faisant. C'est-à-dire que comme les gens sont pas dans une relation, on explique bien, vraiment à tout moment, tout le temps, qu'on n'est pas dans une relation client-fournisseur, et que du coup, les gens savent que si ça marche pas, bah, on fait de notre mieux pour que ça marche, mais c'est... on garantit pas que le service fonctionnera tout le temps, quoi. Jusque-là, on n'a jamais perdu de mails, de données. Maintenant, on a enfin des sauvegardes, parce que pendant de longues années, on n'a pas eu de sauvegarde. Quand j'y repense, on a vraiment eu de la chance. Et donc ouais, c'est compliqué quoi. Il faut un truc aussi, c'est que se lancer, ça permet d'apprendre. Alors qu'on sait qu'on va faire des erreurs, il y a des trucs qui vont pas marcher, mais il faut que tout le monde soit ok avec ça quoi. Dire voilà, le service il est maintenu par des bénévoles, on peut pas vous garantir qu'il va tout le temps fonctionner ou que ça va fonctionner impec. Et les gens comprennent. Nous, quand il y a des soucis de mail, généralement c'est parce que « Ah là là, mon mail est arrivé dans la boîte spam de mon destinataire. » Et donc là, on répond, on explique que on n'est pas du tout, on n'a pas du tout la main sur la politique anti-spam de Gmail et compagnie, qui font un peu ce qu'ils veulent, on essaie de faire le mieux possible. Après, moi j'ai tout appris en montant des trucs dans Helico. Les mails, j'ai appris en le faisant dans Helico. Le web aussi, enfin j'ai appris plein de choses en faisant. Ça a cassé, ça a pas marché, enfin disons qu'il faut avoir la volonté d'apprendre et que ça va durer quoi. Faut pas le faire parce que les gens le demandent. Pas juste pour ça. D'autres questions? Tout le monde va aller manger? Ah. Ça dépend, vous habitez en Corrèze ? Ouais, alors je vais répéter la question pour le flux vidéo. Donc la question c'est si quelqu'un veut être raccordé par notre fournisseur, de quel matériel il y a besoin chez la personne pour concrètement comment ça se matérialise quoi ? Alors voilà, nous on n'a pas de box. À proprement parler, c'est-à-dire on n'a pas un design par Stark d'un joli boîtier, ou alors ce serait la brique Internet.
Nous, ce qu'on fournit, c'est un modem routeur qu'on peut trouver dans le commerce ou sur Internet. Ça coûte 30-40 euros, dans lequel on rentre le login, le mot de passe de l'abonné. Et donc, c'est un petit boîtier qui fait Wi-Fi ou pas, suivant si la personne veut du Wi-Fi ou pas à la maison. Et donc, ça fait office de box. Et ce boîtier-là est raccordé sur le... Alors ça, c'est dans le cas de la DSL. Ce boîtier-là est raccordé sur la prise téléphonique, comme le fournisseur d'accès classique. Sauf que c'est pas un boîtier qui clignote, enfin c'est pas un boîtier designé, etc. C'est un modem routeur à 30-40 euros et qui a, et en Wi-Fi, bah c'est un peu le même principe. Il y a une antenne qui est posée à un endroit de la maison, sur un pignon, sous le toit, sur une fenêtre, et il y a un câble qui part de cette antenne qui rentre dans la maison et qui aboutit, pareil, à un petit boîtier modem routeur, enfin pas modem mais routeur. Qui fait Wi-Fi ou pas, suivant si la personne veut être connectée directement en câble sur le modem ou pas. Et voilà, c'est juste, c'est pareil, c'est un boîtier dans la maison sur lequel les gens se connectent, quoi. Ouais, une autre question. Alors, la question c'est, est-ce lors de la conférence des exégètes amateurs, il a été dit, ou en tout cas vous avez compris, que FDN ne gardait plus les logs et les adresses IP pendant un an comme c'est demandé par la loi française suite à une décision européenne, la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que nous, on le fait la même chose? C'est la question. En fait, chez FDN, je ne sais pas où ils en sont publiquement. Je crois que j'étais à la conférence hier, il me semble qu'il parlait de la Fédération, et il parlait surtout de la Quadrature, qui a publié, suite à une réquisition sur un des services publics fournis par la Quadrature en tant qu'hébergeur, FDN a décidé, la Quadrature a décidé de, enfin, a dit on ne garde que 14 jours, et pas un an. 14 jours parce que c'est la durée technique par défaut sur un serveur Debian. Alors nous, on fait la même chose les 14 jours pour nos services côté hébergeur, c'est-à-dire tous les services publics, etc., les IP sont gardés 14 jours, pas plus. Pour les mails, mon interprétation de la loi, c'est qu'on n'est même pas censé garder, contrairement à ce que disait mon prédécesseur, qui parle à quel moment, etc., parce que c'est pas un service de communication publique en ligne, c'est de la correspondance privée, les emails, donc on n'a pas à conserver qui parle à qui, etc. Autre chose, bah sur les accès internet, là c'est pas la même activité que l'activité d'hébergeur. Sur l'accès internet, dans l'état actuel des choses, dans la loi française, on est censé les garder pendant un an et on est censé faire plein de choses. On est censé donner l'accès aux services de renseignement qui puissent directement se brancher dans notre réseau, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses horribles qui retombent dans les obligations des fournisseurs d'accès internet. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment tranché au sein de l'association sur combien de temps on garde les infos, comment on répondrait si on avait une réquisition, ce genre de choses. Toujours est-il que on ne demande pas de carte d'identité quand les gens s'abonnent. Donc on a un nom, un pseudo, on a une adresse. Et puis on ne garantit pas que nos logs soient sauvegardés. D'ailleurs, ils ne sont pas sauvegardés. Et puis on garantit pas qu'ils seront disponibles le jour où on viendra nous les demander. Il peut y avoir des pannes, ça arrive. Voilà, d'autres questions? Non. Bon, et ben à la soupe, bon appétit. Merci tout le monde.